Le traumatisme crânien, il faut savoir, c'est la première cause de mortalité chez l'adulte jeune. Il ne faut pas prendre l'âge, c'est la première cause de mortalité chez l'adulte jeune de moins de 45 ans. En France, on estime l'incidence 35 000 pour 100 000 habitants par an et la moitié des causes de mortalité sont dues à des adultes. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est un traumatisme du sujet jeune. Bon. Le traumatisme crânien grave, c'est exceptionnel. C'est 10% de la totalité du traumatisme crânien. Donc, les deux notions à retenir, c'est que un traumatisme crânien, c'est la première cause de décès chez l'adulte jeune. Deuxième notion, le traumatisme crânien grave, c'est 10% de la totalité des traumatismes crâniens. L'évolution, elle est exceptionnelle vers l'état de mort végétatif. Et là, c'est généralement une question de sphinx, c'est moins de 1%. Si vous voyez la série du questionnaire de Sfax, c'est noté 10%. C'est à peu près 0,9%, c'est moins de 1%. L'état végétatif, l'évolution vers l'état végétatif, c'est moins de 1% des cas. Le score de Glasgow, je ne vais pas vous l'apprendre. Vous devez le maîtriser et l'apprendre par cœur. Il y en a trois étapes. Le Glasgow, ça se situe entre 3 et 15. Et vous êtes stressé lors des examens, généralement la question c'est entre 0 et 15. Le questionnaire, le Glasgow s'échelonne entre 0 et 15. Et malheureusement, on tombe dans le stress. Surtout, méfiez-vous pour la réponse motrice et la réponse verbale. La réponse verbale, pour l'apprendre, c'est simple. Double C, double I. Clair, confus, incohérent, incompréhensible et pas de réponse. Inapproprié, il émet des mots, s'il émet des sons et des syllabes, c'est plutôt incompréhensible. Pour la réponse motrice, généralement lors des cas cliniques, le piège c'est toujours entre 5 et 4. Pour le 5, c'est-à-dire, il localise de façon adaptée. Vous devez trouver lors des cas cliniques, il localise de façon adaptée. Vous stimulez à droite, il localise à droite. Vous stimulez à gauche, il localise à gauche. Alors que la réponse 4, c'est ce qu'on appelle le replay, il localise de façon inadaptée. Vous suivez là, il va chercher par le côté contre-latéral. Vraiment. Le problème, c'est là. Généralement, en cas clinique, tata ouais, c'est bien avec Glasgow à 8, tout bien avec Glasgow à 9. C'est ça le piège. Il localise de façon adaptée, c'est ça. Il localise de façon inadaptée, c'est 4. Au lieu d'inadapté, vous pouvez trouver le mot retrait. Voilà. Le Glasgow, c'est un score qui est universel. Et malgré les facteurs confondants, il reste pertinent. C'est-à-dire, si vous trouvez quelqu'un alcoolisé avec un traumatisme crânien, le Glasgow initial, on peut surestimer. On parle par exemple d'un patient avec Glasgow à 8 en état d'ivresse. Il reste pertinent parce qu'au cours de l'évolution, on peut se tromper initialement. Au cours de l'évolution, il y aura une variation de Glasgow. Et ça, c'est la pertinence de Glasgow, c'est ce qu'on appelle le détail Glasgow ou l'évolution de Glasgow en fonction de temps. La stratification du traumatisme crânien grave, aussi, vous devez l'apprendre parce que vous pouvez avoir des QCM. Il y en a plusieurs classifications, la classification de master, et la classification la plus simple, qui fait partie de vos objectifs de l'examen, c'est le traumatisme crânien léger, traumatisme crânien modéré et traumatisme crânien grave. Pour le traumatisme crânien grave, c'est simple. Un score de Glasgow inférieur à 8 chez un patient qui est stable sur le plan hémodynamique et respiratoire. On ne peut pas parler d'un traumatisme crânien grave si un patient est stable. On ne peut pas parler de traumatisme crânien grave, c'est un patient qui est hypoxique ou hypercarbique. Pour le traumatisme crânien minime, vous voyez ici, Tunis par exemple, parce que le trauma crânien peut être donné du coup par des réanimateurs ou alors par des neurochirurgiens. Une question, c'est différent. Légère, c'est ça, c'est tout ça. C'est minime et mineur. Midi, c'est un Glasgow à 15, pas possible.
Pour l'humain, c'est un gaz lourd. À partir de 15, c'est-à-dire qu'on trouve des écrans humains, mais réveillables, une PCI de vraie durée, inférieure à 5 minutes, amnésie entre le grade, trouble de la vigilance ou trouble de la mémoire. Par contre, le traumatisme crânien modéré, c'est un Glasgow qui s'échelonne entre 9, supérieur ou égal à 9, et strictement inférieur à 14. C'est-à-dire inférieur ou égal à 13. Ou bien vous trouvez une perte de conscience initiale plus que 5 minutes, ou la présence d'un signe neurologique de localisation. Je vais vous donner des exemples. Pour un patient qui a un Glasgow à 15, on ne peut pas avoir tout d'abord un taux, c'est impossible. On ne peut pas avoir un Glasgow à 15 avec signe de localisation électromagnétique. C'est impossible. C'est comme ça. Pour un patient qui a un Glasgow à 14, pour un patient qui a un Glasgow à 15 avec une PCI plus que 5 minutes, c'est un traumatisé crânien mineur. Vous allez voir pourquoi la PCI est différente. C'est bon pour les classifications. Question creux, apprendre par cœur, et vous ne devez pas hésiter. C'est le facteur de risque additionnel dans votre traumatisme crânien, quelle que soit la gravité. Qu'est-ce que ça veut dire, facteur de risque additionnel? C'est-à-dire, en présence de ces facteurs, ça augmente, l'observation il augmente entre 2 et 3. C'est-à-dire, en présence de ces facteurs, vous êtes obligé, même si un patient qui a un traumatisme crânien avec le soir sans physique, de le scanner et de le surveiller. C'est les patients qui sont traités par les antivitamiques, hein, les hémophiles, quel que soit A et B. Si vous avez un patient qui est envoyé par une urgence périphérique avec une fracture à la radiographie du cadavre, on ne plus jamais la radiographie du cadavre. Mais si jamais vous avez une urgence périphérique qui envoie ça, avec une fracture qui est là, vous devez le scanner. C'est ce qu'on appelle facteur de risque additionnel. Si vous avez des signes cliniques, le facteur de l'étage antérieur, c'est-à-dire le dégradé de l'étage, la rhinorrhée, une dépression ou fracture de la base de crâne clinique, un patient qui confuse en post-traumatisme et le traumatisé grave, c'est-à-dire le polytraumatisé. On ne parle plus de polytraumatisé, c'est plutôt un traumatisé grave. La définition d'un bonnet traumatisé, vous le savez très bien. C'est quoi la même chose? Ah, oui, parce que c'est une seule lésion. Deux lésions. Ça va, c'est ok. Deux lésions, zéro. Zéro. Bravo. La définition est très simple. C'est tout patient victime d'un traumatisme violent, quelle que soit la lésion apparente. Ça s'arrête là. Méfiez-vous, hein. C'est question propre. Définir le premier traumatisé. Pour répondre à tout patient victime d'un traumatisme violent, quel que soit, ou traumatisme chronique, quel est jugé comme violent, quel que soit l'émission de parence. C'est pas ce que je pense. Quand ma femme est détectée, elle le détecte. Heureusement, l'objectif de l'examen bien, vous n'êtes pas sensible à ça. Stratégie d'exploration de la traumatisme crânien. Mini. Et mineur. C'est très simple, très simple. Vous avez un algorithme pour apprendre que vous devez le maîtriser en deux mots. Je me tape à gauche, Barcha. Tout ce qui est traumatisme crânien avec absence de facteur de risque additionnel. S'il y en a un facteur de risque additionnel, le scanner il est systématique et obligatoire. Un autre pilotage, ouais. Pour un traumatisé crânien sous AVK, quand est-ce qu'il faut le scanner? Toujours. Allez. Toujours, mais avec le. C'est pas ça la question, hein. Je dois formuler. Si on fait que le temps d'amour, ce que je viens de parler. Pour un traumatisé crânien sous AVK, qui consulte aux urgences, c'est parfaitement conscient. Vous le scannez à quelle heure? Après? Quand j'ai un urgence? Ça arrive. Belle, quelle 6 heures? Quand vous faites le coucher. Pour un traumatisme crânien avec PCI, examen neurologique normal, il faut le scanner au-delà de 16 heures. Pour ne pas louper les petites hémorragies explorées, d'ailleurs. Pour ne pas louper les petits éléments minimes.
pour un traumatisé crânien sous abicage, même avec Glasgow à 15, vous devez faire kymotroponine, deux points. Scanner à l'arrivée du patient et scanner à l'entrée de cathéter. Parce que vous pouvez avoir un petit saignement, petit chat, au lieu de la femme, il faut donner le cascadine et tout ça. Et surtout, le deuxième scanner qui va prendre celui du francis du malade. Est-ce que lui, on a une aggravation ou pas? Scanner à T0, l'octe de trafic est mérite, ou scanner 24 heures après. Je suis le rôle, 3 mètres sous abicale, il gagne 24 heures au moins aux agences. Pour un traumatisé crânien minime, c'est-à-dire un trauma crânien qui laisse go à 15 et pas de PCI. Là, il ne faut pas le scanner, il faut donner des instructions écrites, des consignes, quand est-ce qu'ils doivent consulter. Y a-t-il un déficit? Y a-t-il une somnolence? S'il fallait, vomissement plus que 3 fois. Pour tout le reste, si le scanner est disponible, il faut scanner. Très bien, c'est simple. Maintenant, votre troisième objectif, on a passé chapitre épidémiologie et classification. On va attaquer le troisième objectif, description de lésion. Je ne vais pas vous apprendre une chose, vous le savez. Animatome cellulaire, la connexion entre la table externe et interne de l'os et la duromère. Animatome sous-lumérale, c'est entre la duromère et le parachute cérébral. Qui peut me donner une capacité typique d'animatome cellulaire? Est-ce que vous m'avez déjà dit? Chromacrénien PCI, avec un cavalier, bravo. Avec? Ça va, mais c'est très fou. L'intervalier, combien? Bravo, 6 à 24 heures. Donc c'est un traumatisme crânien avec une PCI, puis on a un intervalle libre de 6 à 24 heures. L'exemple typique, c'est le matin qui fait en ligne. Ah, ça va, regardez, le micro. Je tire, il t'a pas là, ça tourne, ça va, c'est comme une charge de raquette, tout de suite. Bah, 6 à 24 heures, c'est la drague. Le tableau clinique classique, maintenant c'est quoi? La drague, c'est quoi? Il y aura quoi comme signe? Là, c'est un piège, le PCI. Toujours c'est un piège. Le caractéristique d'un traumatisé crânien avec une méthode cérébrale, il y en a un trouble de la conscience, le déficit et le contrôle latéral de la lésion, mais le néphrase et le contrôle latéral de la lésion. L'hémiplégie, elle est contrôle latéral et la néphrase, elle est contrôle latéral. Ferme. Généralement, c'est l'artère méningée qui cède, dans plus que 50% des cas. Et dans 2/3 des cas, il y en a une fracture au regard. Donc, si on va résumer, le traumatisé crânien, dans sa forme extradurale, ça se manifeste par un trauma crânien avec PCI, un intervalle libre de 6 à 24 heures, et après, il y aura un trouble de la conscience divers. Surtout l'hémiplégie, elle est contralatérale et la midriase, elle est homolatérale. L'âge. 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 Généralement, c'est l'adulte jeune. Le problème, c'est l'intervalle libre. Bravo, le capteur qui fait chevaux à un patron qui suit. L'intervalle libre, ça, c'est typique chez l'adulte. Chez l'enfant, généralement, l'intervalle libre est impur. Si tu ne peux pas juger, est-ce qu'il est somnolent parce qu'il dort, il vient de prendre son lit. Des grands, ou tu dors parce que, à cause du trouble de la conscience. C'est ce qu'on appelle la pathologie impure. Les manifestations cliniques, vous avez 4 codes cliniques, 4 classes cliniques. La localisation occipitale, c'est la teinte. Occipitale, 18. C'est l'UMC latéral aujourd'hui. La fosse postérieure, généralement, c'est le tableau très sévère de l'hypertension intracrânienne avec un syndrome sous-nubuleux. Et là, le décès, il est très rapide. Extrêmement rapide. Il faut l'opérer dans un délai moins d'une heure. La localisation frontale, vous avez le syndrome frontal. Classique avec la confusion, avec l'agitation et avec l'oblivulation. La localisation au niveau du vertex, elle est variable. Du point de vue scanographique, vous avez les images classiques des hématomes extradurales. Là, vous voyez, qu'est-ce qu'on a dit? Généralement, il y en a une fracture, là. Vous
la lentille qui est biconvexe, c'est une connexion spontanément en pervers, et l'angle de raccordement, elle est aiguë. Là, il faut la prendre, parce que l'exercice fonctionne, c'est ça. Généralement, vous voyez la fracture, en plus de deux tiers d'écart. L'antique biconvexe est bas de concave, et l'angle de raccordement, elle est aiguë. Vous voyez ici ce couplet opératoire, ça c'est un volet, ça c'est la dure-mère, et ça c'est la connexion qui va faire manger, qui s'est là. L'hématome sur le ralubu maintenant. Pour l'hématome sur le ralubu, je vais vous demander une question très simple, CROM. Citez les trois hématomes qui peuvent donner coma d'emblée. Coma d'emblée, dans la forme du pied. Soudirate aigu, soudirate aigu. Soudirate rairate. Après, soudirate chronique. Bravo, condition cérébrale. Lésion axillaire diffuse. Ces trois lésions. Les trois lésions qui donnent comme d'emblée sont l'hématome soudural aigu, la contusion cérébrale et les lésions axillaires diffuses. Pour l'hématome soudural chronique. L'hématome soudural chronique, c'est généralement une pathologie de sujet âgé. C'est un sujet qui est âgé. L'intervalle libre, c'est de quelques semaines, généralement entre 15 jours à plusieurs mois, et ça précède un traumatisme crânien d'allure bénigne. C'est un sujet âgé qui est alcoolique, la forme typique, qui prend des avicats. Il peut avoir un tableau d'hypertension intracrânienne avec céphalie, vomissement, nausée. Il peut avoir aussi des troubles psychiques, à type de trouble de mémoire, syndrome confusionnel, trouble de comportement. On peut diagnostiquer aussi à l'occasion des crises convulsives. C'est bon. Hein? Nourrisson, il peut faire. L'hématome subdural, généralement, ça rentre dans le cadre d'un polytraumatisé. On ne peut pas faire un hématome subdural, c'est exceptionnel, subdural isolé. C'est dans le cadre d'un polytraumatisé. Pour l'hématome subdural aigu, comme vous voyez ici, c'est l'aspect classique, c'est hyperdense en croissant. Donc, les lésions sont biconcaves. L'hématome soudural chronique, bien sûr, c'est plutôt une hypodensité. Ça, c'est classique, vous pouvez le deviner. Pour les hémorragies sous-oraculoïdiennes, les hémorragies intraventriculaires, généralement, on ne peut pas vous poser des questions, parce que ce n'est pas intéressant. Le diagnostic, c'est plutôt scanographique. Il n'y a aucune caractéristique clinique. Par contre, la contusion clinique, la contusion, il faut l'évoquer devant un coma d'emblée. La forme typique, c'est coma d'emblée. Le scanner, elle peut être normale. Un scanner cérébral fait précocement dans un délai inférieur à 3-4 heures, chez un patient, même à Glasgow, inférieur à 8, il ne faut jamais, c'est une astuce même pratique, il ne faut jamais extuber le patient, parce que vous pouvez avoir soit les contusions qui peuvent se manifester plus tard, soit des lésions axonales diffuses, par itérement. Pour les lésions axonales diffuses, il faut apprendre que c'est un tableau classique de coma d'emblée, et la mortalité et morbidité très importante, et on ne peut jamais deviner les séquelles, sauf par le couplage examen clinique chez un patient non sédaté avec l'IRM. Donc pour le tableau clinique, il ne faut rien apprendre pour ça. Ferme. Ben. Maintenant, l'ombaru. Quelles sont les indications, citées, les indications chirurgicales du ombaru? Ombaru, ouverte, s'arrête, fracture ouverte. Ben. Quoi d'autre? Enfoncement. Ben, compressif, plus que 5 mm. Mifiu, Alex, je m'en comme je fait le cours. Voilà, ils sont là. Alex, je n'ai pas précisé 5 parce qu'il y en a
nos collègues FISFAR, c'est à 3 mm. Mais dans tous les bouquins, c'est 5 mm. Tu vois, là, ben, quoi d'autre? Et quand vous êtes voir? Au moins 5. Ça fait, c'est une localisation. Des indications urgentes. Et ça met des indications qui sont différées. Urgentes. S'il y en a un déficit, s'il y en a une plaie, c'est l'équivalent d'une fracture ouverte, s'il y en a un foyer épileptogène, on regarde, c'est-à-dire le patient il fait un état de mal convulsif, si l'emballé est très compressible, à partir de 5 mm. Bien sûr, de façon différée, pour des raisons, si on peut opérer, par exemple, une emballée frontale, on ne peut pas laisser caca avec une emballée frontale. Il faut l'opérer, sauf si le sujet est plus que 80 ans. Hein? Les plaies crânio-cérébrales. Le traitement peut être en urgence, il doit être urgent. Généralement, le malade doit passer rapidement au préopératoire après les archives, bien sûr. Il faut faire un nettoyage par la chaîne. Je vous donne juste le résumé. Ça, c'est quoi? Quelle est votre conduite à tenir devant une plaie crânio-cérébrale? Donc il faut noter trois tirets. Premier tiret, traitement doit être urgent. Deuxième, il faut nettoyer et faire un palage cutané. Bien sûr, pas blessure de corps étranger. Et après, il faut faire un palage parenchymateux à minima, c'est-à-dire il ne faut pas enlever beaucoup de tissu. Et réaliser une fermeture qui doit être étanche. L'antibiothérapie doit être double par voie parentérale. Et là, il y a l'introduction. On doit mettre le foucourt par la semaine. Traumatisé crânien grave. Qui peut me définir un traumatisé crânien grave, hein? Sahib, bravo. Donc, pour simplifier, un traumatisé crânien grave, c'est tout patient qui a un traumatisme, bien sûr, crânien, un impact direct ou indirect, avec un Glasgow inférieur égal à 8, après correction des fonctions vitales. C'est 10% des traumatisés crâniens et c'est la première cause du décès chez l'adulte jeune. C'est une plaque que vous devez la prendre par cœur. La médicalisation d'un traumatisé crânien grave permet de gagner en mortalité de 9%. Pour comprendre mieux la physiopathologie d'un traumatisé crânien grave, je vous donne cette plaque. Suite à un traumatisme crânien, il y aura des lésions primaires. C'est-à-dire une lésion primaire, c'est une fracture extra-dural, sous-dural, contusion cérébrale. Et ces lésions primaires vont réaliser des cascades d'auto-amplification. Ils vont être responsables de lésions secondaires d'origine systémique et de lésions secondaires d'origine centrale. Des agressions cérébrales, des axos. Qui peut souffrir des axos? L'hypoglycémie. L'hypoglycémie, c'est une axos, quelle soit la maladie. L'hyperglycémie, oui. Dysnatrémie, oui. Hyper, hypocapnie, hein. Potentiel, hein. Généralement, on a un coma entre 2 et 4. Quelques fièvres. Exactement. On met pour le traumatisé crânien. Rappelez-vous, malheureusement, j'ai oublié de le corriger. Citer des actions sans préjudice. L'hypoxie, oui ou non? Oui. L'hypotension. Ah, l'hypotension, oui. L'hypocarnie, oui ou non? L'hypocarnie, non, mais. Ah, non, mais. Allez. Mais, hop, c'est
pour les Axios. Si on vous demande de citer les Axios, il faut toujours commencer par le 2 du déterminant majeur de mortalité. L'hypotension et la mortalité. L'hypoxie. Il faut les mettre en premier. Après, les fous et les pacs pour l'hospitalier, oui, parce qu'on a un patient qui est agité, on a le pacte grave. Que de donner les détours. L'hyperglycémie. Glycémie au doigt. L'exolosumab. Du coup, je donne l'examen à propre glycémie capillaire ou glycémie au doigt. L'hypoglycémie, bien sûr. C'est un exos, quelle que soit l'illusion. AVC, moins de 30 heures. L'hyperthermie et l'anémie. L'anémie, oui, aussi, on peut le miser en fait hospitalier. On a le mucu, l'appareil. Donc, le HAT, dysnachrémie, mon protocole, comme tout, on fait l'examen, vous savez. Quand vous avez des années, quand vous avez des réponses. Je me suis dit, je vais faire fort, je vais faire quelque chose. Surtout, je vais faire la question, je vais faire quelque chose, je vais faire quelque chose. Il suffit de mettre une poule, une adrémie, on fait quelque chose. Ce qui fait la différence entre les années, ce n'est pas une question, c'est correct. La pression de perfusion cérébrale, vous savez très bien, c'est la part de la pique maximale à l'aide chez l'adulte. On va la considérer avant la pression de perfusion cérébrale. Quelle est la pression de perfusion cérébrale? 70, bravo. Donc, notre objectif pour la réduction de la thrombose crânienne grave, il faut avoir une part à 90 mm de mercure en dehors d'un saignement incontrôlable. Donc, je te sers, tu vois. Aussi, question encore. Je l'ai envoyé depuis 3 ans. Donc, j'ai dit sur ça le synergique. La courbe d'autorégulation masculaire cérébrale. Expliquer les lésions à partir de la courbe d'autorégulation vasculaire cérébrale. Expliquer les axes. Je connais la courbe d'autorégulation vasculaire cérébrale. Hein? Et elle est. Ça arrive. Donc, la courbe de l'autorégulation vasculaire cérébrale, c'est la relation entre la pression de perfusion cérébrale et le débit sanguin cérébral. À l'état de base, le débit sanguin cérébral est indépendant de la pression de perfusion cérébrale. Après un traumatisme crânien, la lésion devient linéaire. C'est-à-dire, la moindre modification de la pression intracrânienne s'accompagne d'une très grande augmentation du débit sanguin cérébral. Le point d'intersection, c'est 70. Maintenant, quel est l'effet de l'hypercapnie? L'hypercapnie. Vasodilatateur, étant. Ça. Il faut suivre ici en couleur. Vous avez là taille de vaisseau, là c'est la PaSO2. La PaSO2, l'augmentation de PaSO2, le CO2 c'est un puissant vasodilatateur. Il y aura donc une vasodilatation, par conséquence, le débit sanguin cérébral va augmenter. Il y aura une hypertension intracrânienne. Ferme. Alors que l'hypoxie c'est totalement l'inverse. Il y aura plutôt une ischémie cérébrale par diminution du débit sanguin cérébral. Watermark. Est-ce qu'on m'a conçu? Mount. À l'état de base, c'est ça la courbe. La courbe, elle est comme ça. C'est-à-dire, à l'état de base, le débit sanguin cérébral est indépendant de la pression de perfusion cérébrale. Quelle que soit votre pression de perfusion cérébrale entre 50 et 150, vous êtes hypertendu, vous êtes normalement tendu ou hypotendu, le débit sanguin cérébral est stable. Alors qu'après un traumatisme crânien, la relation devient linéaire. La moindre modification de votre pression de perfusion cérébrale est liée par moins pi, c'est-à-dire elle pique tata et elle part en pire, il y aura une modification dans votre débit sanguin cérébral. L'augmentation de votre pression de perfusion cérébrale s'accompagne d'une augmentation du débit sanguin cérébral et donc d'une hypertension intracrânienne.
l'effet de CO2, le CO2 c'est un puissant vasodilatateur cérébral, puissant vasodilatateur, il va engendrer une diminution du débit sanguin cérébral, par conséquent, augmentation de la pression intracrânienne. Alors que l'hippocampe, si on prend l'hippocampe, qu'est-ce qu'elle va faire l'hippocampe? Donc, je t'avais une version là. L'hippocampe va diminuer le débit sanguin cérébral. C'est pour cela que les patients qui sont en hypertension intracrânienne, on peut les passer entre guillemets en hypocapnie permissive. C'est moi qui je cherche cet effet pour diminuer le débit sanguin. Alors, non? C'est la même chose. L'hypocapnie, c'est la même chose. Il faut toujours garder une normocapnie. Mais l'hypocapnie permissive, c'est moi que je cherche ça. Vous avez une hypertension intracrânienne, vous avez des chutes, je vais sur. Légère. On va faire une hyperventilation pendant 2-3 minutes. Vous allez jouer sur la physiologie. Je vais tuer une chose, je vais vous. Là, vous devez la prendre par cœur. Ça, c'est des astuces classiques des QCR pour la physiologie cérébrale et pour le traumatisé crânien. Là. C'est ce qu'on appelle le concept de 7-2 Rosner. On a cascade vasoplégique de Rosner. La diminution, je crois que la pression de perfusion cérébrale, c'est pas moins physique. La diminution de la pression de perfusion, la diminution de la table, quelle que soit, par hypovolumie, par exemple l'enseignement rétropéritonien, l'intrapéritonien, l'hémothorax, tout ce que vous voulez, va engendrer une diminution de la pression de perfusion cérébrale. Voilà, on est. Pas va diminuer, donc la pression de perfusion cérébrale va diminuer. La diminution de la perfusion cérébrale, je sais pas comment elle va réagir. Elle va essayer de faire une vasodilatation pour que le temps de contact, les chances augmentent. Elle va faire une vasodilatation. Cette vasodilatation, qu'est-ce qu'elle va faire? On vient de le voir maintenant sur la queue. Elle va augmenter le débit sanguin cérébral. L'augmentation du débit sanguin cérébral va engendrer une hypertension intracrânienne. Qu'est-ce qu'il peut faire une vasodilatation? L'acidose, certains médicaments, l'hypoxie, l'hypercapnie, l'augmentation myocardique d'oxygène. Qu'est-ce qu'il peut augmenter la pression intracrânienne? Par exemple, un effet de masse. C'est l'élément qui fait un effet de masse, l'engagement. Des compressions veineuses. C'est un collier cervical trop serré. Parfois, il y a ce mur de pas couler sur le cœur très bien. Ça peut augmenter, bien sûr, vous allez faire des compressions veineuses, la pression intracrânienne va augmenter. J'ai le retour de tir. La position de malade n'est pas vraiment à 30 degrés, pratiquement pas. L'usulingodème, c'est le gonflement cérébral. Après un traumatisme crânien sévère, on peut avoir du œdème cérébral. Sans lésion apparente. C'est ce qu'on appelle le souligne FODEL. C'est un véritable cercle vicieux. Vous devez apprendre tout cela et vous devez bien maîtriser ces deux concepts-là. Consommation mécanique, l'oxygène. Et après, on a les abréviations à trouver pour vous.